Allez mec, allez. 10, 9, allez là. Que tous ceux qui sont retournés au taf reviennent. C'est bon, l'émeute est terminée. C'est bon, alors il y a eu du cadavre, hein, clairement. Ça a pas l'air d'être trop mes gardiens qui ont l'air d'avoir pris. Ouais, c'est plutôt les gardiens armés. J'ai un maître chien qui est mort. Ouah, ça va, il n'y a pas encore eu trop de casse. Un maître chien, je rachète ce qu'il faut. Puis je vais racheter quelques gardiens. Ça rame à mort quand même. Allez, 75, normalement ça devrait être bon. Il est 13h. Il va me falloir plus de mètres. Je vais mettre une cinquantaine de mètres. Ouais, je pense. Ouais, attendez. Hop, pause. Voilà. Ça va tout de suite mieux. Alors, 40. Est-ce que ce sera. Ouais, je pense que ce sera assez. Des cuistots, une trentaine. On va reprendre quelques cuistots. Va reprendre quelques cuistots. Pareil, on va monter jusqu'à 40. Les concierges, c'est bon. Ah, quoi qu'on aurait besoin aussi de concierges, mais bon. On va monter à 75 concierges. Voilà. Et puis le reste, je pense que c'est bon. Allez, hop. Normalement, ça devrait être bon. Bon. N'empêche que plus on avance dans le jeu, plus c'est lent hein, quand même. Hein. En fait, j'ai l'impression que le jeu galère. Le jeu galère à mort. Je sais pas si je ferme la, enfin si je coupe la fenêtre de jeu, ce qui va se passer. Parce que j'aimerais voir les stats, enfin les ressources du jeu, voir si ça consomme en RAM, en processeur, enfin voilà quoi. Mais je sais pas si ça va couper le record alors. Hein. On va éviter. Alors, on va voir si, on va voir également si on a eu des livraisons. Oups. On va voir si on a eu des livraisons. Non, c'est pas ça. C'est plus bas. Donc c'est ce truc-là. Alors, est-ce qu'on a eu des livraisons? Il semblerait pas. Bon.
14h. Arrivé à un moment quand même, on se fait un peu chier. Bon. Oh. Non. Tu charries. Oh purée. Bon, ben, on va devoir alimenter un d'entre eux avec autre chose. Donc je pense qu'on va... que je vais trancher... assez facilement. C'est cette pièce-là que je vais... Allez, alors démolir les câbles ici. Non, ça tient pas. Ça ne tient pas. Donc ça ne tient pas, ça ne tient pas. Ben si ça ne tient pas, on va devoir alimenter cette autre portion avec le générateur qui a... Ah oui non, c'est le générateur du... Ah, je peux pas. Je peux pas. Ben, va falloir que je détruise ce bâtiment. Je peux pas le construire. Il va falloir que je le mette ailleurs, au pire. Ou je détruis celui-là, tant pis. Alors, ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais garder cet espace de stockage, tant pis, ce sera un espace de stockage. Voilà. Et par contre, je vais détruire ce bâtiment, donc... je vais détruire tout ça. Comme ça. Comme ça. Ah. Et puis moi, bah, je vais démolir ce bâtiment. Je vais construire rien. Triste. Donc, bah, dégager la zone. Non, quand même pas la morgue avec, s'il vous plaît. Essayez de rester sérieux 2 minutes. Voilà, on va tout dégager. On va dégager les murs avec. Voilà, allez, dégagez-moi tout ça. Zut, on remet en route. Alors, bon bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc ils vont démolir tout ça. Puis après, bah, c'est quand même une grosse partie de la prison qui est dans le noir. Hein, mais bon. Mais bon. Bon, tant pis, je pense que ce sera comme ça. Je vais quand même garder cette pièce-là en tant que stockage. Alors, il est 16h. Il est 16h. Il est 16h. Ouais, non, mais ça commence à 18h, donc j'ai pas de raison de m'énerver là. Excusez-moi. Excusez-moi.
Excusez-moi, mon chat qui faisait des bêtises. Oh, il est taquin. Bon. J'ai arrêté de dire bon parce que. Non. Hey. Il s'égriffe sur mon sac, lui. Bon, bon. Voilà, comme ça je t'aurais dit suffisamment de fois. Mais il est où Richard là? Les mecs, je vois pas Richard. Je vois Warren, je vois l'autre idiot là. Je vois Don Corleone. Mais... Je vois pas Richard. Il est où Richard? Richard! Là, pour la peine, mon chat s'en va. Il est vexé. Bon. Il est mort? Ce con a réussi à suicider... Richard! Je voulais te cramer! Putain! Alors... T'as eu de la chance, mon gars. T'as eu de la chance. Oh, le trou du cul. Bon. Quel lâche. Se suicider au lieu d'attendre qu'on le tue. Quel lâche. Tu m'as fait rater 10 000 dollars, je crois. Tu n'es même pas digne. Tu ne serais normalement même pas digne d'aller dans ma morgue. Bon, eh ben, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Hein. Tant pis, on va passer sur Warren alors. Warren, c'est toi qui vas t'en prendre plus la gueule maintenant. Alors, Warren, parle-moi de tes méfaits. Non, c'est pas la chaise que je veux, c'est le mec. Voilà. Warren Newell. Alors, 18 ans. Oh putain. Ça fait quoi d'être une merde? Réputation aucune, ça c'est fait. Et j'ai mon chat qui est infernal par contre. Eh! C'est pas le même en plus. Oui, parce que j'ai plusieurs chats. Qu'est-ce qu'il y a, toi? On va peut-être arrêter de dire tirer à volonté. Ça s'amuse. Bon, bref. Il n'y a pas que moi qui joue. Alors, condition, tu as été maté plusieurs fois. Ouais, à mon avis, c'est ça, c'est une proportion. C'est une proportion des activités, des humeurs et des conditions. Alors ça, par contre, je comprends pas du tout ce que c'est ça. Enfin, bref. Ouais, donc ce n'est pas toi aujourd'hui qui passe, malheureusement, ça va être Don Corleone. Oh, il attend. Bon. C'est ça, hein.
Bah, bon, ok, apparemment il va pas passer. Ouais, en fait, ouais. En fait, c'est idiot ce que j'ai fait parce que en fait, il va prendre la première salle qui est disponible. Donc en fait, elle sert à rien ma salle de conditionnel là. Bon, ça fait rien, elle est RP. Elle est RP, c'est tout. T'as vu, personne veut lui ouvrir la porte, tu sais. En train de péter un plomb là. Je vais te libérer, je vais te libérer. Tu seras pas libéré, arrête tes conneries. Sauf si t'allonges le cache et encore. Le mec arrive avec 1h20 de retard à son truc déjà. Hop, tranquille. Ok, alors, on va voir un petit peu comment ça se passe pour lui. Alors déjà, j'aimerais quand même, c'est qu'on mette le courant là parce que. Ça ressemble à rien cette histoire. Ok, et donc là. Ouais, on est à la limite en fait. Ok, on est beaucoup trop à la limite, mais ça fait rien. Alors, donc, c'est sur la gauche. Donc, il dit qu'il a faim, tout ça. Écoutez, on va couper, on va. Oula. Ah non, ça sauvegarde. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on va couper et attendre. Et je vais calmer mes chats dissidents, hein, parce que comment ça, voilà. Hein. Bon, hé. Non mais. Ok, et l'eau, je commence vraiment à arriver au bout de pression, en bout de pression, en fait. Voilà. Vingt heures, dans 2 minutes on saura. Pêche, arrête pas. Hein. J'arrive pas à dégager à l'intérieur ou comment ça se passe là? Allez, ils vont me dégager ça les mecs. Allez, encore une petite minute. Enfin, une bonne minute en fait, parce que ça s'écoule plus en secondes maintenant. Donc. C'est assez dommage ce gros ralentissement de jeu, quoi. On gère tout. Comment? Le jeu gère tout en fait en objets. Et. Alors c'est cool, hein, mais voilà quoi. Quand il y a trop d'objets, ça devient lourd. T'es sérieux? Non!
Non mais sérieux quoi. Bon, par contre, il fait plus partie de membre de gang, résultat. Mais genre, il a été acquitté quoi. Bon. Pour lui, c'est la prison à vie, en gros. Comment dire? Dégoûté. Ok, ça c'est fait. Alors, bon, ben, dégoûté. Bon ben Warren, on compte sur toi. On compte sur toi pour te viander. Je crois que c'est demain, tu repasses. Bah écoutez, je vais couper et on va attendre que Warren se trucide. Oh, je suis dégoûté. Putain, le premier condamné à mort, il meurt. Enfin, il meurt. Ouais, dans un sens, travail est fait, mais il est mal fait. Et d'un autre côté, l'autre il se fait libérer, non mais, enfin il se fait libérer, il est en haute sécurité, mais j'espère que les autres prisonniers vont le crever, clairement. Mais bon. Oh non, ouais, dégoûté. Écœuré. Écœuré, mon gars. Écœuré. J'ai pas d'autre mot. Non, ça c'est le truc par scolaire ça. Et 14 intéressés mais personne n'y va. Trouve l'erreur. Libération conditionnelle. Tu es condamné à mort. Réussite 1 sur les 3. Purée. Bon, eh ben je vais couper et on attend que Warren se fasse griller. Ou alors je recevrai peut-être un autre condamné à mort jour d'après. Je coupe, je continue un petit peu à jouer et on se retrouve pour une exécution. Ok, très bien. Alors, ça va être chaud. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé au sujet de notre cher Warren, qui est très mal en point. Donc, pour faire simple, il était dans sa cellule. Et la faim le tiraillant, il commençait à être blessé. Donc j'ai appelé en urgence des médecins pour qu'ils viennent le soigner et ils l'ont emmené à l'infirmerie. Lorsqu'il est sorti de l'infirmerie, donc sa condamnation, enfin son appel avait déjà commencé depuis un bon bout de temps. Et lorsqu'il est passé sous le portique, et ben, il a bipé et il était en possession d'une paire de ciseaux. Donc là, c'est 12 heures d'isolement qui l'attendent. Mais il est en train de caner. Donc, 23 heures, les prisonniers sont en train de rentrer. À minuit, on déclenche son exécution. En espérant qu'il survive d'ici là. Mais normalement, ça devrait le faire. Au pire, ce que je peux faire, c'est prendre mademoiselle et finir le soigner. Assez rapidement s'il te plaît. Non, mademoiselle, s'il te plaît. Viens soigner. Elle en a rien à foutre. Hey! C'est là que ça se passe. Voilà, quand même. Je fais comme ça pour le maintenir en vie et il faut qu'on l'exécute. Top, allez. On va programmer son exécution dès maintenant. Programme l'exécution. Alors. Procédure initialisée. Initier le verrouillage de la prison.
Tester l'installation. Ok. Donc c'est en cours. Bon. Je vais garder un œil sur lui. On est à 67%, 68%. Il y a des fouilles. Les fouilles, elles continuent. Allez. Et tu le fouilleras en cellule. Allez. Voilà, il y a moyen pour qu'il remette une picouse. Que dalle. Bon, 92%. Allez, maniez-vous là, il est 1h du matin. Allez. Tout le monde au pieu. Allez, maniez-vous, maniez-vous. 98%. C'est pas plus mal qu'il soit tout près de l'infirmerie en fait. Allez. En attendant, juste j'ai acheté cette extension là, j'ai terminé les bâtiments. J'ai rajouté une pompe ici parce que j'ai eu le générateur ici qui a repris feu. Et résultat, ça a endommagé un petit peu les installations autour, là, tout ce qui est câbles et tuyauterie. Donc évidemment la pompe n'était plus alimentée, donc j'avais plus d'eau ni d'électricité. Alors j'avais plus d'eau du tout dans toute la prison et plus d'électricité à l'isolement et tous les bâtiments qui étaient là. Donc j'ai simplement refait une autre pompe et refait l'installation électrique quoi. Point, quoi. Bon allez. Où vous l'emmenez là? Allez, verrouillez tout le monde là, on est en exécution les mecs.
Mais quel bordel. La prison la moins coordonnée du monde, sérieusement. Bon. 98% ça a diminué. Non mais merde. On a un mec à crever là, les mecs. Purée, ce merde. Bon bah. En attendant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En attendant, j'ai essayé d'aménager un petit peu les extérieurs. J'ai mis de la pelouse en fait un peu partout. De la pelouse. Et ici j'ai démoli les arbres. Enfin voilà quoi. J'ai essayé d'aménager un petit peu. Ça m'a coûté un peu cher, mais. Mais voilà quoi. Inconscient. Allez, hop, pause. Toi là. Va t'occuper de lui. Ok. Donc dès qu'il est inconscient, en fait, faut appeler un médecin, quoi. Allez, c'est long. Purée, il y a tout le reste de la procédure là. Allez. Le mec en attendant quand même, on le maintient qu'avec des picousses quoi. Allez. Simpson là, allez. Ouais, me dis pas que le dernier pourcent qui reste, c'est lui. Non, 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 c'est pas lui. Il y en a d'autres. Continuer à être blessé.
Comment ça se fait que c'est aussi long? Allez! Il n'y a plus de prisonniers. Ah si, il y a encore des prisonniers Edouard là. Putain, je crois qu'on va ajourner l'exécution. Pas le choix, hein. Putain, il a de la chance. Le concours de circonstances qui fait que... Tant pis, on l'exécutera la nuit suivante. Allez, il va faire ses 12 heures d'isolement là. On va attendre quelques minutes encore. Ok, allez, j'ai compris, on va annuler. On va annuler. Temps libre, qu'est-ce que j'ai raté? Ouais, en gros, les bases sécuritaires ont raté la douche pour aujourd'hui. Bon, ça fait rien. J'aurais pu rajouter 2 heures de douche aussi à la fin de journée, mais bon. Bon, un nouveau prisonnier qui arrive. Hein, je te retiens, mec. J'attends juste qu'il tombe dans la conscience et j'appelle un médecin en urgence. Hop, inconscient. Ah non, s'il te plaît, oh. Ouais, c'est bon. Finalement, il y en a une qui s'est dévouée, toute seule. Bon, et sérieux, faudrait le mettre à l'isolement, lui. Ah, quand même. Enfin, il va être à l'isolement, il va quand même mettre un petit peu nourri à l'isolement. Parce que c'est ça le problème, hein, c'est que... Mais en vrai, à l'isolement, ils sont nourris, hein. Et en fait, j'ai compris pourquoi il n'était pas nourri en cellule de condamné à mort. C'est parce que les patrouilles de garde ont sauté. Donc il n'y avait pas de garde pour s'occuper de lui. Je sais pas où il est là. Ouais, il est là. Il est là, il est en train de rentrer. Ouais, il est en train de rentrer. C'est con, pourquoi il avait une paire de ciseaux sur lui?
Il aurait pas eu une paire de ciseaux sur lui, il... c'était bon. Putain, il a raté le confort de sa cellule, quoi. Vas-y. Bon. J'ai un condamné à mort qui arrive demain. Un nouveau condamné à mort. On va bien réussir à faire une exécution, va bien y arriver. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, on va refaire un petit tour du côté de l'intelligence. Et puis, ben... Oh purée, la vache, toi. Bon, ben... Tant pis, hein, je les active, même s'ils vont, ouais, ils vont se faire griller direct, pratiquement, mais bon. Lui, non. Voilà. Bon. Normalement, avec ça, je devrais couvrir 100%, 100% de ma prison quand même. J'ai un membre de gang. J'ai un seul membre de gang qui se balade, ça a l'air d'être celui-là. Ouais. Allez. Affaire réglée. Ouais, c'est vrai qu'il a pas de traits spéciaux lui. J'essaie de voir où il est. Mince. Histoire qu'on garde un œil sur lui quand même. Il est là. Non mais sérieux, comment tu viens de faire apparaître un joint toi? Ouais, ça apparaît aléatoirement. Les objets apparaissent aléatoirement. Ah bah non, je suis con, bah non, c'est juste que le coverage est apparu, je suis con. C'est... Non, non, il l'avait déjà et ça apparaît pas, c'est juste qu'il l'avait sur lui. Donc... Allez, montons un petit peu ce qui peut se balader à 69%. Ici, il y a quelque chose. Et ça n'indique en plus qu'il l'a. Tu vas se faire fouiller, mec, je suis désolé, hein. Le règlement, ça vaut pour tout le monde. Je sais pas ce que c'est que le truc là qui... Il y a deux trucs là sur la route. C'est le truc des ouvriers. Ce que t'as dans la main, mec, ça doit être fouillé. Une matraque quoi, les mecs ils arrivent à faire passer les matraques dans les... Ok, ça c'est déjà en cours de fouille, ça c'est déjà en cours de fouille.
Y a ça à fouiller. Quand même. Et ça a fouillé. Voilà. Ouh, il y a des trucs qui circulent ici. Ok, toi t'es grillé. Toi, t'as quelque chose qui n'a pas été détecté. Un couteau. Celui qui l'a. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Là, la fouille est en cours. J'ai lui là, faut le fouiller. Et cette pièce-là est à fouiller. Cette cellule là également. Et celle-ci aussi. Comment ils arrivent à faire rentrer l'alcool, les mecs? Alors, faut savoir également que j'ai réorganisé les programmes. Hein. J'ai énormément réorganisé les programmes afin de, notamment pour le tout ce qui est alcoolisme, tout ce qui est dépendance à la drogue, tout ça. C'est beaucoup y vont, mais très peu réussissent à s'en sortir en fait. Donc c'est la merde. C'est la merde. C'est la grosse merde. On peut rapidement y jeter un œil hein, d'ailleurs. Sérieux là? Eh oh. Pourquoi je peux pas fouiller cette cellule? Parce que c'était déjà en cours. Ok, d'accord. Aucun problème, aucun problème. Pas de soucis. Pas de soucis. Ben c'est bon, on a résolu un gros problème au niveau des objets qui pouvaient traîner. Là j'ai encore un truc qui traîne. J'ai encore deux trucs qui traînent. J'ai un couteau ici qui traîne. Ah, c'est du courrier. Ok, d'accord. Alors, la drogue. C'est dans les œufs ou dans le chaudron? Dans les œufs. Au cas où on va fouiller les deux. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce soit dans le chaudron, quoi. Là, il y a encore quelque chose. Bon, c'est un peu trop le fouillis, mais on va les avoir à la sortie. Ouais, lui.
Apparemment, l'autre objet, je sais pas où il est passé, mais il a dû être chopé. Il a dû être intercepté. Non, il est toujours là. Ok. Il est toujours là. Et ce truc-là va pas bloquer de toute façon, je pense. Faut juste qu'il sorte de la foule. La petite sauvegarde. Eh vas-y mec, sors, je t'attends. C'est bon, je l'ai. Je te tiens. Alors. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres objets qui traîneraient? Apparemment, on a tout. Apparemment, il n'y a plus de contrebande dans la prison. Si, là. Je sais pas d'où ça sort. Mais là, il y en a. Oh la vache. Mais sérieux, quoi. Là, j'ai un camion complet là. Sérieux, quoi. Sur les 8 objets, il y en a 6 qui contiennent des objets illégaux. Tranquille. Ouais. Et toi là? Elle sort d'où ta picouse? Bon, et notre condamné à mort. Il est dans le coin là-bas, c'est ça, hein, que j'ai vu. Non, il est plus bas que ça. Il est dans la première cellule, il me semble. Non, où il a purgé? Il est où? Il est où, Warren, là? Conscient, il est là. Hein? Mais non, il est pas là. S'il est là. Ok. Donc soit tu t'occupes de lui, c'est ça. Mais faut qu'on ouvre la porte. Ok. Ok, il est emmené à l'infirmerie. Ouais, il a perdu masse sang en fait. Hop. Faut que j'en aille sur lui. Bon. De toute façon. Un peu ce qui va devenir. Mais ce que je veux, c'est qu'il reste en vie.
Est-ce qu'il va survivre jusqu'à la... C'est même pas dit qu'il survive jusqu'à la... Et en vrai, ça on le fait pas. Hein. Clairement, ça, en vrai, jamais quoi. Le mec est condamné par viol et pour viol et il est comment? Et il est traîné comme ça au milieu de tous les autres prisonniers quoi. Je veux dire, en vrai, le mec se fait poignarder quoi, direct quoi, qui a un policier ou pas quoi. C'est bon, il est sorti. Allez, hop, direction ta cellule. Et t'as pas intérêt à rebiper. Putain, s'il rebip, je pète un plomb. C'est bon, il bip pas. Allez, direction ta cellule, mec. Est-ce qu'il a fini? Ouais, il a fini son isolement, hein. Ouais, il a fini son isolement. Non, il est encore en isolement pendant 8 heures. Oh, c'est pas vrai. Bon, on va attendre qu'il soit à l'isolement et puis on va lancer le verrouillage, hein. Je sais bien, il retourne tout seul. Hein? Est-ce que j'ai encore un cover? Non, j'ai pas de cover qui est resté actif malheureusement. Donc je ne peux pas garder un œil sur lui. Hop, ouais non oui, toi c'est bon. En vrai, il rentre, il est déjà blessé, quoi. Bon, je pense que l'isolement, quand même, c'est le mieux pour lui. On va planifier l'exécution dès que c'est possible. Est-ce que si je lance maintenant?